Salut tout le monde, c'est Jacques Larsonis et on reprend Fable 2. Donc déjà je vais vous dire un peu parce que en fait comme j'ai repris la partie c'était la nuit, je préfère attendre qu'il fasse jour, même si je suis en train de penser que quand je vais passer à une nouvelle région, ça se trouve il va faire nuit. Oui donc et en attendant en fait en faisant le passage déjà rien que entre le lac de Bower et ici le vieux quartier, comme le chien avait boosté son flair. Au niveau de ce qui est creusé et compagnie, j'ai trouvé une alliance, un émeraude et 200 et 300 pièces d'or, ce qui me fait 500 pièces d'or. Ce qui est déjà pas mal, et j'ai aussi acheté une petite étable en plus qui était sur le pont de Bower. Voilà, donc maintenant, si je dis pas de bêtises, je gagne 52 pièces d'or toutes les 5-10 minutes. Je sais plus trop, je me souviens plus de combien il avait dit que c'était. Voilà, donc plutôt pas mal, hein. Donc il me reste 1200 pièces d'or. Donc de quoi... De quoi acheter quelque chose si on trouve un marchand ambulant qui vend des trucs sympas quoi. Donc dans le précédent enregistrement, je vous avais dit que c'était par ce pont-là qu'il fallait aller pour aller à Oakfield, donc là où il faut qu'on se rende pour aller chercher le premier héros. Enfin, je crois que c'était comme ça qu'on l'avait vendu. Ouais, c'est parce qu'il me semblait que dans le coin il devait y avoir un truc à creuser. Donc oui, faut qu'on aille à Yogfield. Je me souviens plus pourquoi exactement vous avez dit ça, mais faut qu'on aille à Yogfield. Yeah. Un café instantané. Mais c'est génial. Bref, ça nous donne de la vie normalement. J'aurais peut-être dû dire ce qu'il me disait. Juste dans le doute, je vais vérifier. Nourriture, non. Potion. Café instantané, santé plus 50, ouais. Expérience de force, bah d'accord, c'est pour gagner 2 points de force. Encore ? Plus 5 coffres ? Enfin, remarque, je sais pas si j'ai assez de clés pour ce coffre. Non, apparemment, il en faut pas mal. 13. Bah, si, apparemment, je dois avoir assez, hein, vu que le chien me pointe. 250 pièces d'or, ah bah dis donc, ils sont généreux les gens dans le coin. Ouais, 5 pièces d'or. Enfin, 5 pièces d'or, 5... J'ai déjà 5 clés, moi. Ça sent... Ouais, dis donc, T'as les finances, ça va bien, là, en ce moment. Quel est le trajet? Ouais, ça va être la nuit, fais chier. Ouais, dommage que ce soit la nuit. Bon, bah, par là, je suis sûr qu'il va encore avoir le chien qui va boyer en tous les sens. Et, juste pour info... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et des bandits droit devant. Alors, il faut savoir que les gens aiment pas qu'on combatte devant eux. Que ce soit rien qu'à l'épée, à l'arc et compagnie, ou avec des pouvoirs. Surtout que des pouvoirs. Bonjour. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ah bon? Et qu'est-ce que je crois que ce croit? C'est pas moi qui ai tué ces gens. C'est les bandits. Ils ont emporté le butin, mais ils ont pas fouillé les corps. Franchement, ce gens n'ont plus besoin de ça à présent. Y'a pas de mal, hein. Vas-y, serre-toi. Te gêne pas. Prends ce que tu veux. J'ai pas besoin de tout ça. Ouais. J'hésite à le tuer ou pas, quand même. Wow, c'est quoi ce bug? Joli. Oui, donc un trésor. Ramasser. Qu'est-ce que ta pomme, 50. Oh, pas mal du tout. Et il serait sûrement content que ça te revienne. Eh, quand on y pense, la bouteille. On rend un grand service à ces gens. Du chocolat au lait. Le parchemin, je peux le ramasser, là, le truc qui roule. Bon, c'est tout. J'hésite quand même à le déglinguer, l'autre. Voilà, bon, ok, moi aussi, je fais le ramasse-merde, mais bon. Ah, et... Pas déconner. Et ça, je peux l'ouvrir, 5. Mais où est-ce que j'ai trouvé 5 clés, moi? Ruby, ouais, tiens. Vas-y, monte le chien. Ici? Juste à côté? Bah, dis donc. Puis il est content, le chien. Ouais, il est content. Une potion de force carabée. Potion de carabée?
Quoi que je serais pensé de toute façon, même si quand même quand il fait jour ici, de toute façon il pleut tout le temps, donc bref, bon, bon fouillage toi. Et là le chien tu dis rien? Non. En général quand il y a toujours un petit chemin comme ça qui part en cacahuète, sous le côté, genre personne m'a vu. En général ça sent le truc à fouiller. Pardon. Attends, des bandits. Ils sont trop nombreux pour les attaquer. N'oublie pas, tu peux transformer ton expérience en adresse pour améliorer ton habileté au tir. Ouais, enfin bon, j'ai largement pas assez pour le moment. Hein. Putain, mais ils font mal en plus, c'est con. Ah! Il me dit que je peux manger le chocolat pour remettre de la vie. Hop, boum, boum. Je crois en plus que plus on les bute de loin, plus on gagne des points d'adresse. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble. Ah, j'ai toujours largement pas assez pour me mettre les trucs de tir. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que si on maintient appuyé la touche RT, on peut sélectionner les sorts. Et également aussi que en fait il y a juste les sorts qu'on nous a montrés jusque là et pas d'autres. Voilà. J'ai dit que il me semblait qu'il y en aurait peut-être d'autres, mais en fait non. Voilà. Ça je précise, je répare un peu mes erreurs. On va aller plutôt aller voir par là, tiens. Des fois que les bandits peut-être lâcher un truc. Je sais plus si dans celui-là, les gus qu'on zigouille, ils lâchent des trucs. Oh, bah y'a coffre. Alors... Café cafetière, ok. Ça valait le coup. Alors... Là-bas, il y a une quête secondaire, mais on va pas y aller. Enfin, pas maintenant. Ah, des caisses. Ghetto. C'est strictement rien. Wow! Tiens! Merde, bah il est juste de son dos alors. Forcément. Vraiment dommage que ça apporte pas des points de volonté, hein, la téléportation. Je pense qu'on a encore quelques bandits. Ouais, bah j'avais vu le trésor. Oui, je suis cassé. Oula. Non, pas tombé. Allez. Oh bon, bah tant pis, j'arrête les conneries. Parce que si je m'arrête toutes les 30 secondes pour essayer de faire tomber une bouteille, je pense qu'on n'a pas fini. Chien de guerre. Oula. Mais parfait ça! Viens. Est-ce que je. Merde! Oui, comme j'ai mangé du chocolat, je grossis. J'ai oublié ça dans les trucs modifications physiques et tout. De dire que ça continue à le massir, grossir. Voilà! Donc le chien maintenant est plus efficace au combat. Hein, en gros. Je pense pas qu'il acquiert de techniques particulières, c'est juste qu'il est... N'oublie pas ton arme à feu, ça peut être fini avant même qu'il le sache. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Genre ça les gêne pas du tout, je suis en train de les défoncer de loin. Tout va bien. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, quand j'ai absorbé toutes les boules, la position du personnage change. Ça permet de savoir... Ouh, le beau bug du chien.
Ça permet de savoir quand est-ce qu'on a vraiment tout ramassé. Oui bah j'avais vu le trésor, merci, il y a un grand coffre en plein milieu d'une plaine. Enfin une plaine. Péta plaine. Collier rouillé. Collier rouillé. J'ai de boire un coup, tiens, je vais encore oublier moi. Ah, je me suis souvenu aussi. Le saut de lapin que j'avais appris au chien. Et le museau caché, en fait, c'est l'expression que fait le chien en plus de celle qu'on fait. C'est-à-dire, c'est, là, par exemple, le museau caché, c'est si je fais l'expression « Votre chien peut cacher son museau, faites un ro ou un p », voilà. Quand vous faites un ro ou un p, le chien va se cacher son museau, genre « Oh mon dieu, ça pue !» Et les gens vont être plus contents que si on l'aurait pas fait. À côté, il y a une grosse porte. Une porte de mail, je crois même. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, une porte de culisse. Non, ça c'est les trucs de téléportation. Bref, il va nous le dire. Bonjour. Ce monde est un barbant. Je suis là depuis des millénaires et j'ai vraiment tout vu. Hey, vous, c'est quoi ce machin poilu qui saute dans tous les sens? Il connaît des tours? Faites-lui faire quelque chose d'amusant. N'importe quoi qui puisse me distraire de cette monotonie. Bon, on va lui faire aller chercher la balle. Ça va lui plaire, ça. Bah, il y a l'expression baballe direct. Attention. Attention. Ça, là, il devrait pouvoir aller la chercher. Ah, il y a des aigles. Alors, tu reviens, chien? Oh, c'est bien, le chien. Oh, il a ramené la baballe. Oh, ouais. Oh, c'est délicieusement drôle. Que sait-il faire d'autre? C'est en quoi? Social, humour? Mort, danser, victoire, paix. Et si vous foirez l'expression, je vous laisse deviner ce qui se passe. Oui, non? Rien de tel que le simple plaisir procuré par un animal idiot réduit au simple rôle d'amuseur personnel. Encore. Je sais plus comment est-ce qu'il... Dans quel cas il fait le saut. Grognement... Simule attaque, non. Grognement barbare, non. Social, peut-être. Cadeau, suivre. Pousse vers le haut. Non. Ah, je sais plus du tout. Ne me faites pas perdre mon temps avec vos insipides tours d'humain. C'est le chien que je veux voir à l'œuvre. Peut-être danser. Ah voilà. Et là, t'es content? Eh bien, j'admets que je n'avais encore jamais vu ça auparavant. Encore un. Mais j'en ai plus. Peut-être essayer de le féliciter, peut-être que ça... Non. Oui, ça marche ou pas? Ça compte? Ça valait presque la peine de patienter quelques millénaires. S'il en fait un autre, je vous laisse passer. Mais... j'en ai plus. Posurique? Ça m'étonnerait, mais... Voilà, quoi. Bah, il refait le saut de lapin. Ça compte, ça compte pas? Je vous en prie, ne m'ennuyez pas avec des redites. Bon. Eh ben, tant pis, puisque c'est comme ça, eh ben, je reviendrai demain. Ou pas, d'ailleurs.
reviendrai une autre fois. Non, c'est pas grave, on sera pas obligé de tout se retaper les trucs qu'on devait faire, hein, normalement. C'est juste que c'est chiant, quand même. Oh là, ah. Un autre voyageur. Tu veux aller à Oakfield? Alors faudra nager, mon canard. Ouais, saute. Saute, 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 saute. Plonge. Quoi? Désolé. Faut toujours que tu te démarques. Pour une fois, les bandits disent vrai. Pour avancer, il faut sauter. Et quoi? Si j'ai pas envie. Y a un problème? T'as le vertige, peut-être? Je vais partir dessus, toi. Mouillé. Ah bah si, je sais pas. Quel âge as-tu? 8 ans? Est-ce que je peux aller jusqu'à tuer ou est-ce qu'ils sont invulnérables? Parce qu'il a pas l'air de trop sentir grand-chose. Allez, saute! Ouais, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? Il pourrait mourir. Il pourrait mourir. Bon, le chien kamikaze, il va nous suivre, non? Il va voir une grosse merde tomber. Hey, oh! Tu m'entends là-dedans? Hello. Est-ce que je peux fouiller maintenant? Parce que ouais, on, comme d'habitude, il y a une grande zone ouverte. Il y a forcément ou deux plongeons à faire. Autant les faire maintenant. Ah, peut-être là, j'ai cru voir quelque chose. Oui, non, non. Ou ailleurs, de rien avoir. La plage, on peut y aller, mais pas maintenant. Ça sera rien. Il me semble pas qu'on puisse y faire grand chose maintenant. Même pour plus tard, oui. Bon, tant pis. Il me semblait qu'il y avait au moins un plongeon à faire. Eh oh! Mon fils Joey est là-dedans. Il a besoin d'aide, mais j'ai un peu peur d'y aller seul. Peut-être pourriez-vous venir? Y a ton fils qui est là-dedans, il est perdu, et toi, tu t'y vas pas. Mais c'est quoi ce père? On entre dans la grotte, s'il vous plaît. Oui, bah c'est bon, on va y aller dans ta grotte. De toute façon, j'ai pas le choix. Grotte des hommes. J'aime pas les hommes. Ils sont chiants.